Salut tout le monde, c'est Azarath, on se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 2. Alors j'ai déjà quelques trucs à vous dire avant de commencer le gameplay. Tout d'abord, j'ai déjà tourné l'épisode 3, mais ça a été un epic fail parce que le souci c'est que ça n'a tout simplement pas enregistré le son. Il y a une partie du gameplay que vous ne verriez. Que vous ne verrez pas quoi. Mais alors pour résumer ce qui s'est passé pendant ce que j'ai enregistré sans le son du coup, on a tout simplement fini la nuit au grenier, ça n'a rien passé de particulier, je suis sorti par le toit, je suis descendu, je suis parti vers le nord, c'est tout ce qui s'est passé. Donc vous n'avez pas loupé grand chose. J'avais dit deux trois petites choses mais qui malheureusement n'ont pas été enregistrées du coup. C'était juste pour vous annoncer qu'il y aura sûrement quelques vidéos sur Rust. Il y aura encore d'autres vidéos coop avec Killer Surprise. Il y aura aussi de la vidéo DZ Standalone. Malheureusement, j'ai un énorme bug sur DZ Standalone. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook. J'ai enregistré le bug. C'est épique. Hein. J'ai jamais vu ça dans un jeu. C'est le bug le plus what the fuckesque que j'ai vu jusqu'à présent. Donc voilà, c'est tout, bon, on va reprendre tranquillement. C'est parti. Donc voilà, j'ai pas pu enregistrer le son, j'ai toute la vidéo et tout. Alors je me suis dit, bon, je vais pas, quand même pas garder la vidéo et recommenter par au-dessus, ce serait... Enfin, voilà quoi. Vaut mieux que ce soit vraiment du live, quoi. Ça sert à rien de recommenter par-dessus une vidéo qu'on regarde, quoi. Et c'est dommage parce que j'avais fait un de ces bons, il y a un spider zombie, j'ai poussé un hurlement dans la baraque. Mais vraiment, hein. Sans déconner. Bon, tant pis. Alors là, on se retrouve devant un champ de blueberry. Oula, normalement. Alors le champ de blueberry, voilà, on est arrivé. J'étais arrivé ici tout seul du coup. Donc j'avais dit, on pille le champ de blueberry. Mais là, ça m'énerve parce que. Faut y aller en sneak, sinon on les écrase. Le champ de blueberry, je vais y arriver ou quoi? Ouais. On va fouiller les maisons. Là, j'ai déjà une pelle. On va pouvoir creuser sous le sol. Et je comptais aussi commencer à créer une mine, tout simplement. Ah, j'ai déjà 63 blueberries, d'accord. Créer une mine. Créer une mine pour avoir de la pierre, quoi. Ah, apparemment ils ont baissé la résistance des animaux. Enfin. Hop. Oh, il y a de la viande, il y a de la viande, il y a de la viande. Ça, tu dégages. Voilà. Moi, pris la viande. J'ai. Oh lolo. Et ils étaient tous dans la baraque, hein. Les saligots! Viens par là, toi. Toi aussi. Et toi? Non. Ah, c'est ça le souci, on voit pas très bien avec le viseur du MP5. Enfin, on voit pas très bien si, mais... Hop. Alors moi j'aimerais bien fouiller cette maison, mais le souci c'est que c'est bourré de zombies. On va essayer de se les faire. Là il y a un spider, je vais... Hop! Oh là là, c'était joli ça. Encore des munitions de pompe, c'est parfait. Il y a un autre shotgun beaucoup mieux que celui que j'ai, beaucoup plus précis. Là, il y a un corps. Hop, encore de quoi faire du métal. De la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Je préfère me séparer de... Qu'est-ce que c'était que ça? Oh putain, foiré. Ouais, donc c'est... Oh là, encore de l'eau partout, mais de l'eau... Eh, hey, je veux de la bouffe, moi. Je suis plein. Il va falloir que je commence à stocker mes vivres. Parce que là...
Bon, allez, c'est parti. On va commencer à creuser son trou, tout simplement. Donc, vous savez quoi? Je vais carrément le creuser pas loin d'ici. Ouais, je vais le creuser ici. On sera relativement pépère. On va s'éloigner un peu de la maison quand même. Parce qu'on m'a conseillé si je veux construire quelque chose de durable, d'essayer d'être pas trop près des maisons. Pas déjà sur une maison en fait. Parce que les zombies spawneraient à l'intérieur, tout simplement. Donc on va déjà creuser une petite tranchée tranquillement. Donc vous voyez, pour creuser, c'est. Enfin. À la pelle, ça va. Mais hop. On en profite, il est déjà 18 h. On va encore finir au fond du trou, je crois, cette nuit, hein. Ah ouais, on va finir au fond du trou encore. Est-ce que je peux poser une torche? Une torche, une torche, une torche, une. Elles sont là, les torches. Hop. Hop. Ok, d'accord. Si tu veux, écoute. Si tu veux. Bon, allez, on va creuser. Là, il y a la pierre. Alors là, il va falloir que je fasse une pioche. Il va falloir que je fasse une pioche. Alors, on va faire des baguettes. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Il est 19 h, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Je le sens très mal, là. Mais vraiment. Là, je le sens mal. Non. Faut d'abord que je fasse les lingots, espèce d'abruti. Faut d'abord que je fasse les lingots. Allez, allez, allez. Les lingots, les lingots, les lingots. Oh, je le sens mal, je le sens mal, je le sens mal. Hop, le scrap métal. Le scrap, le scrap. Il est là, le scrap. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire du scrap métal avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Enjoliveur. Du scrap métal. Iron ingot. 1, 2, 3, 4. 5, c'est bon. Hop, hop. Allez, 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 dépêche-toi, 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 c'est la course là. C'est la course, c'est la course, c'est la course. La pioche. Allez. Allez, allez. J'ai pas lâché les torches. Non. Non. Allez. Allez, on creuse, on creuse, on creuse. Il est 8 h, il est 8 h, il est 8 h. Oh là 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 là. Il est 8 h. Alors, qu'est-ce que je peux? Je peux reboucher avec quoi? Je peux reboucher avec quoi? Faut que j'en rebouche. Faut que j'en rebouche le plus vite possible. J'en rebouche. J'en rebouche au bois, tant pis. Allez hop. Ok, on voit plus rien. C'est pas grave. On va poser le feu de camp. On va prendre les torches. On va allumer le feu de camp. On va allumer le feu de camp. Je vais reboucher encore. Voilà, je vais pouvoir creuser tranquillement là. Je vais pouvoir m'atteler à ma tâche. Alors il va falloir que je commence à récolter la stone. Pour récolter la stone, je vais tout simplement boire l'eau. Hop. Je vais manger aussi. Voilà, je vais manger. C'est bon, je peux récolter la stone. Je vais aussi pouvoir commencer à récolter du minerai du coup, enveloppe. Voilà. Mais j'ai toujours pas de place. Oh là là là. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Les enfants, là, ça arrive. Ça arrive. Est-ce que je peux. Et je vais reboucher à la stone. Hein. Je vais reboucher à la stone. Oh là 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 là, c'est quoi de ces bruits? C'est dégueulasse! Mon Dieu! On va continuer de creuser tout autour. Histoire de se faire un bon petit abri.
J'aurais dû piéger dehors, mais j'ai pas eu le temps, j'étais pris de court. J'étais pris de court. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est du... C'est du... Call or, ok, c'est... Putain, c'est pour avoir du charbon, ça. Je vais faire un coffre. Voire deux. Voilà, je vais faire deux coffres. Bon, le plywood, tu dégages, on s'en fout. Allez, hop. Je vais faire les deux coffres là. Je vais pouvoir commencer à stocker. Enfin, c'est infernal le bruit, c'est infernal. Tac, le campfire. Faut vraiment que je me libère la place. Quoi, je vais stocker de l'eau parce que. Voilà. Les graines de patates, l'essence, les livres, ça j'en ai pas besoin, le tissu non plus. Voilà, j'ai déjà largement de place pour pouvoir reprendre des ressources. Ouh! Ils sont énervés, hein? Ils sont bien énervés. Ils sont en train de creuser la terre. Hein. J'aime pas du tout ces bruits-là. Hein. Je crois que quand ils sont en dessous de vous, ça va. Quand ils sont au-dessus, c'est encore pire. Quand ils sont au-dessus, c'est le stress. Le stress total, quoi. C'est infernal. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est quoi, ça? J'ai vu un truc passer, là. Y a plus un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, j'ai rien dit. j'ai rien dit. Pourquoi je récupère rien? C'est bizarre. Bref, faut continuer. Hein, en espérant de pas se... Ah, franchement, c'est étrange. En espérant ne pas se faire... ne pas se faire avoir. Je récupère la stone. Hop. Alors ça, je crois que ça donne du métal. Ah, je suis pas à l'aise. La nuit, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout là. Coal. Alors ça fait du lump of coal. Ok. Alors ça fait quoi ça? Du nitrate de potassium. Du bleed de lingot. Du buckshot. Oh, d'accord. Du bleed de lingot, on fait du buckshot. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux raffiner? Le iron ore, ça on le connaît. Ouais, 18 lingots, alors moi je suis peinard. Gunpowder, on l'a fait avec quoi? Wow, c'était quoi ça? J'ai jeté un truc par terre? C'était quoi ce truc là? Qui est tombé du... Ah, je crois qu'il y a un gerbeur au-dessus, un officier de... Eh, je vois des choses, hein, sans déconner. Qu'est-ce que... Ah, ils sont en train de péter la terre au-dessus, en fait. C'est pour ça. Ouais, je disais donc... alors, je peux faire de la gunpowder. Je pense que c'est du charbon. Ou ça, à l'inverse. Voilà, j'ai de la gunpowder. Et avec la gunpowder, je peux faire... Shotgun shell. Donc, à mon avis, je fais... gunpowder. Papier. Buckshot. Ou l'inverse.
Non, c'est pas ça. D'accord, papier, gunpowder, gunshot. Okay. Donc, du papier. Bien sûr, j'en ai pas. Super. Du papier morpho. Là, le papier est utile. Là, le papier est plus qu'utile. Là, j'ai 4 livres, c'est parfait. Je vais faire des munitions à gogo. Alors, le papier. Tac, 80 papiers. Poudre. Buckshot. Oh, oh là là, là. Eh, c'est cheaté. Ben là, j'ai des munitions, mais... Là, c'est bon, je crois. Munitions de shotgun, là, je suis paré. Oh la vache. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une poser, ouais. Ah, c'est peut-être ça que j'avais vu ton... Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Si tout continue. Allez. Est-ce que j'ai les torches, là? Oui, oui, elles sont dans les torches. Ça, je vais reposer. Que je voyais un peu où je vais, quand même. Ça serait... Ça serait mieux. On continue de miner tranquillement. Hop. Donc bon, c'est pas une phase très... C'est pas une phase très très hein, intéressante, mais bon. S'il faut construire la belle maison, enfin la belle maison, la forteresse plutôt, parce que... Oh putain, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ouais, je disais donc, s'il faut construire la... La forteresse, va falloir récolter pas mal de trucs. Hein. Allez. Je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose que j'avais dit avant mon fail. Propos... Oui, voilà. Si vous voyez pas ma tête, c'est normal. Je vais réserver la webcam, en fait, à des épisodes de, je sais pas, de jeux d'horreur, etc. Parce que une des raisons pour laquelle le coop a foiré, c'est justement parce que j'avais mis la webcam et ça avait fait foirer, enfin ça avait fait bugger ma carte graphique. Et vu que c'était moi l'hébergeur du serveur, et ben ça a fait planter le serveur quoi. Et... Tout simplement, on avait tout perdu, etc. Et impossible de recréer une partie. Donc après, là, c'est peut-être le jeu en lui-même. Ils avaient peut-être des problèmes, mais ça venait sûrement du côté du jeu, parce que... Qui leur surprise non plus, ne pouvait plus se connecter. Donc, bon. Voilà, quoi. Donc la webcam, je la réserverai plus pour des jeux où le face commentary est vraiment utile. Pour éviter ce genre de problème, quoi. Bon, ça m'empêche pas de faire un gros fail, hein, comme l'épisode dans le vent que j'ai fait juste avant de tourner celui-là. Enfin, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, bah, là, ça mine bien, là. Hein? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça bien. On récolte pas mal de choses. Bon, j'ai que 30 stones, bien sûr, mais... ça m'a permis de faire beaucoup de munitions de pompe. Après, est-ce qu'on peut faire des munitions de 9 mm ou de MP5 ou je sais pas. Ça, j'en ai aucune idée. Ça m'étonnerait, je pense. Parce que c'est des balles de calibre vraiment spécial. Et franchement, si on peut faire des balles de calibre 5,56 ou 7,62 à la main, ce serait abusé quand même. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse les crafter. Allez. Ma pioche commence à être à user. Ça se ressent, hein, parce que là, pour casser les blocs, faut y aller, hein. Allez. Voilà. Là, on a quoi? C'est du...
Charbon. Ouais, c'est du charbon, ça. Ah bah tiens, il y a juste du... Encore du sulfate de machin, là, je sais pas quoi. Parfait. Donc on va remonter. Enfin, on va rester là. On va garder un œil... Garder un œil sur l'entrée. Alors, hop. Ça, on a du fer encore. Oh là là, le fer. Je suis peinard, là. Le pauvre col, on peut rien faire. Quand on avait fait la poudre, c'est ça. Charbon. L'inverse. On a la poudre. Le papier. Comment on fait le buckshot? Ah oui, j'ai pas le métal qu'il faut pour le... J'ai pas le plomb. Il me faut du plomb. Et j'ai pas de plomb. On va le split. Hop, j'ai pas besoin de tant de munitions dans la ceinture. La stone, on va la garder. Ça aussi. Je range un peu parce qu'on sait jamais si vraiment les zombies tombent dessus. Ce serait pas cool quoi, de tout perdre. Ce serait pas cool du tout. Alors il est 7h. Il est 7h. Il est 7h mais le souci c'est que ça doit être blindé en haut en fait. Donc ce qu'il faudrait c'est que je sorte. Que je fasse une grande galerie, je vais faire une grande galerie comme ça. Bon, je vais refaire une pioche parce que celle-là est vraiment usée. Celle-là, infernale quoi. Alors, hop. C'est bien quand on a des ressources comme ça. Là, c'est nickel. Là, je peux faire ce que je veux. C'est parfait. Sans aucun problème. Ah, ça va mieux, là. Là, ça n'a rien à voir. Donc, on va avancer tranquillement. On va tout simplement remonter à la surface. Ils me suivent à la trace, hein. C'est infernal, hein. Encore du... potassium là, du nitrate de potassium. Ah, c'est infernal, c'est infernal. On va mettre une torche. Hop. De toute façon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Ça fait déjà un moment qu'on tourne là, hein. Ouais, bah, on va s'arrêter là donc. Pour la partie suivante, on va tout simplement se rendre à la surface. Parce que là, on est le matin, donc c'est parfait. On va tout simplement se rendre à la surface pour pouvoir aller chercher de la nourriture en plus. Pour faire des petits stocks dans les coffres, fouiller un peu, chercher du métal, peut-être des armes, etc. Pour vraiment être... surtout de la nourriture, hein, surtout de la nourriture. Pour vraiment pouvoir rester sous terre assez longtemps. Et... récolter le maximum de ressources de construction. Et je pense que tout sera ok. Là, on a quand même vachement bien avancé. On a des munitions. On a vraiment ce qu'il faut, quoi. Du fer à gogo. Bon, bref. Il commence vraiment à s'agiter. Donc c'est tout. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne pour connaître les dates de sortie des prochaines vidéos. De toute façon, il y a du contenu quasiment tous les jours, même parfois deux vidéos par jour, donc c'est très régulier. Un petit pouce bleu, ça fait vachement plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question ou suggestion. Il y a ma page Facebook. Et voilà, c'était Azarath pour Gaming for Fun. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour l'épisode 4. Ciao !